Eh bien, nous voilà, nous sommes à Terre de Haut, dans la petite section locale qu'il y a sur l'île. Tout de suite, on va accueillir la sœur Brudé. Sœur Brudé, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Eh bien, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Alors, as-tu une fonction au niveau de la communauté de Terre de Haut? Oui. Alors, je suis directrice de l'école du sabbat de Terre de Haut. Je fais l'école du sabbat et des fois la leçon. Enfin, chacun a sa fonction. Tu es seule ou ta famille est membre de l'église de Terre de Haut? Eh bien, oui. J'ai ma maman qui est assez âgée, qui a 91 ans, qui a reçu le baptême depuis longtemps, depuis en 90. Et j'ai ma sœur Rosette Micheline, qui a reçu le baptême avec son mari. J'ai mes enfants qui ont reçu le baptême, mon fils, mes deux filles, j'ai trois enfants. Alors, tu es l'une des premières, ou peut-être même la première en fait, à avoir accepté le baptême au Sainte. Oui, exactement. D'accord. C'était en quelle année? Alors, c'était en 1974. J'étais encore jeune, j'avais 17-18 ans. J'étais sur la Guadeloupe, j'avais fait des études sur la Guadeloupe, chez une famille Pétrimont. J'ai reçu l'évangile là, et là j'ai accepté Jésus, et c'est le pasteur Plumet qui m'a baptisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as reçu le baptême? Par les chants, ça m'a attiré, Jésus m'a attirée par les chants, j'ai été touchée par les chants, et la parole de Dieu aussi m'a touchée, et j'ai reçu le baptême. Parce qu'on faisait des études bibliques avec moi, et là j'ai compris qui est vraiment Dieu. Est-ce que ça a été compliqué pour toi d'être une jeune de 17 ans, 18 ans, seule, adventiste? Eh bien, c'est un peu dur pour moi, parce que le fait que j'étais seule sur l'île, et je me suis trouvée un peu confus, quoi, un peu gênée, puisqu'il n'y avait pas de renfort avec moi pour m'aider. Mais j'avais une communication avec une sœur. Elle m'avait donné son numéro de téléphone, mais je l'avais perdu. Je l'avais perdu. Et elle, quand elle a vu qu'elle n'avait pas de nouvelles de moi, elle est venue au Sainte me voir et me chercher. Mais à ce moment-là, j'étais déjà mariée, j'avais un autre nom, parce que là, j'étais une demoiselle Thomas et je suis devenue Madame Brudé. D'accord. Alors, elle est venue me chercher sous le nom de Thomas. Mais bien sûr, on lui a... Elle a trouvé. Elle est venue chercher la brebis perdue. Quand elle m'a trouvée, j'étais vraiment contente de la revoir. Et là, le va commencer à partir de ce moment-là. Elle venait avec nous pour pouvoir... Et ma sœur était déjà là à ce moment-là, puisqu'elle habitait à la Martinique, mais elle est revenue. Elle est venue avec son mari habiter ici. Alors, et là, ils ont connu aussi l'Évangile. C'est monsieur et madame Rose-Rosette Serge et Micheline. Ils ont connu l'Évangile. Les enfants, mes enfants aussi, quand j'ai eu mes enfants, ils ont vu, ont reçu l'éducation spirituelle. Depuis petit, ils ont été éduqués et voilà. Et la famille, ensuite, est venue au fur et à mesure. Ok, très bien. Alors, tu me parlais tout à l'heure, tu me disais comment c'était un peu difficile de faire du porte-à-porte à l'époque. Oui. Est-ce que tu trouves que c'est plus difficile maintenant ou que c'était plus difficile? Non, les gens sont un peu plus ouverts. Parce que les gens connaissent déjà, parce qu'on a déjà fait des études avec eux, ils connaissent très bien la parole de Dieu. Parce qu'ils sont plus ouverts, mais ils ont peur de qu'en dira-t-on? Ils ont peur de prendre la décision, l'engagement de servir Dieu. C'est ça le problème. Alors justement, est-ce que tu as pris part récemment, ou peut-être dans le temps, à une action évangélique qui t'a marqué et que tu aimerais partager avec nous? Ben, je ne me rappelle pas quelle année, mais je sais que ça fait très très longtemps avec le pasteur Lassonnier. Le pasteur Lassonnier, et il y avait beaucoup beaucoup de Guadeloupéens, qui sont de frères et sœurs, qui sont venus avec nous pour pouvoir partager l'Évangile. On est allé de partout, dans tous les recoins, dans tous les coins de Terre de Haut, pour pouvoir parler de Dieu et donner des brochures. Et il y en a de ceux qui ont accepté. Parce qu'avant, quand je donnais les brochures seules, quand j'étais seule, les gens n'acceptaient pas les brochures. Mais là, ils ont accepté. Et ça m'a fait quelque chose. J'ai dit, eh bien, bon Dieu, sûrement, ils vont les lire.
Et là, ils vont prendre conscience qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Mm-hmm. Est-ce que vous avez une particularité à Terre de Haut, quelque chose que vous aimez bien faire ensemble, la convivialité, comment vous faites pour la maintenir au niveau de la communauté? Auparavant, on faisait beaucoup de choses. Hein? Oui, on saluait le sabbat, ça nous réconfortait et mm-hmm. tout. On allait en sabbat, en famille, dans la nature. Mm-hmm. C'était encore plus convivial, mm-hmm. plus fortifiant. Parce que ça nous rapprochait encore plus de Dieu. Mm-hmm. Ouais. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux frères et sœurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, enfin du monde entier, qui ne connaissent pas Terre de Haut, qui ne connaissent pas non plus la communauté de mm-hmm. Terre de Haut? Et est-ce que tu as quelque chose en particulier à leur dire? Je leur dirais de prier pour nous, parce que nous en avons grandement besoin, pour nos enfants, pour nos familles et pour l'œuvre missionnaire. Voilà ce que j'avais à dire. Dernière question. Oui. Est-ce que tu aurais un texte biblique qui serait éventuellement ton texte préféré, ou alors un chant, je ne sais pas. Alors j'en ai chant. Plein. Ah, je sais que tu aimes la musique puisque c'est le chant qui t'a fait venir à l'évangile. Alors est-ce que tu veux chanter un chant pour nous? Est-ce que tu... Alors je vais d'abord me dire pour le texte biblique. D'accord. C'est Jean 3, verset 16 qui dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il n'a pas prêté, hein, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, amen. Et quel est alors, le chant qui te réconforte? C'est: ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon Sauveur. Alors pourquoi je chante ce chant? C'est parce qu'à travers ma vie spirituelle, le Seigneur m'a dit: va, tu n'es jamais tout seul. Même si les autres sont malades, va, tu n'es jamais tout seul. Va publier ma parole, mais tu n'es jamais tout seul. Je suis toujours avec toi. Et je pense que c'est représentatif de ton expérience, effectivement, puisque grâce à toi, plusieurs personnes ont pu connaître l'évangile à Terre de Haut. Mm-hmm. En tout cas, on te remercie énormément pour le témoignage que tu nous as donné, et puis on espère te revoir très bientôt. Merci beaucoup. Ok, au revoir.